Bien, salut tout le monde et bienvenue sur Planet Zoo. Ce soir, nous allons faire le scénario du pack Eurasie qui est sorti il y a déjà 2 semaines. Je devais le faire entre-temps, mais j'ai pas pu. C'était bon, t'as fait d'autres trucs en IRL, donc bref. Donc, on va essayer de faire ce scénario en mode normal. Alors, ça s'appelle le Zoo Urban Jones. Bernie a décidé de rassembler toute l'équipe pour un nouveau projet qui lui tient à cœur, un cadeau de départ à la retraite pour Nancy. Vous allez devoir exploiter au mieux cet espace limité pour créer un lieu vraiment magique. Bernie compte distraire Nancy du mieux qu'il peut pendant que vous travaillez. On va le faire en difficulté normale. Hop. Donc là, on va essayer de faire ce scénario jusqu'à médaille d'or, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Et on va essayer aussi de découvrir les animaux du DLC. Voir un petit peu ce qui nous attend. Oh, la boutique elle est sympa, ça c'est un nouvel ajout de la nouvelle version de ce que j'avais lu. Ok, bonjour, il paraît que vous enchaînez les succès depuis notre dernier projet commun. On peut dire que vous avez fait beaucoup de chemin depuis notre première rencontre au manoir Godwin. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous contacte soudainement. Eh bien, j'ai des nouvelles. Nancy va prendre sa retraite. Elle dit qu'elle est prête à raccrocher ses bottes. Le problème, c'est que j'imagine mal Nancy se tourner les pouces chez elle toute la journée. L'ennui la rendrait folle. Alors, au lieu de lui offrir une montre en or et de lui souhaiter bon vent, je me suis dit que j'allais construire un zoo rien que pour elle. Enfin, plutôt que vous allez vous en chercher pendant que j'occupe Nancy. Après tout, c'est censé être une surprise. Si vous êtes d'accord, je vais vous donner plus de détails. Ce doit être un petit zoo, mais il faudra quand même adopter quelques animaux et veiller à ce qu'ils soient heureux comme des poissons dans l'eau. Ou plutôt comme les visiteurs qui devront être heureux aussi. Et puis si on donne le nom de Nancy à un zoo, il est essentiel qu'il soit bien noté. Enfin, il faudra qu'on se concentre sur la satisfaction des employés. Je veux que ce zoo fonctionne comme sur des roulettes, au cas où Nancy voudrait prendre une journée de congé. On ne sait jamais. Une fois qu'elle sera retraitée, elle prendra peut-être enfin des vacances de temps en temps. Amicalement, Bernie. Ok, alors je vais tout de suite mettre en pause. Je vois qu'on perdait de l'argent. Alors, au niveau bronze, on doit engager 4 employés. On a déjà 3 qui se baladaient, on a vu. 4 espèces différentes dans le zoo. Une note de 2 étoiles sur 5. Niveau argent, 7 espèces différentes dans le zoo. 3 de note globale. 3 étoiles de note globale, ok. 3 bébés animaux qui doivent naître différemment. Et le rapport de l'inspectrice à 3,5 étoiles. Ok. Et pour le niveau or, alors, 10 espèces différentes, ok. Rembourser tous les emprunts, donc ça veut dire qu'on a un emprunt de base si on perd de l'argent. Après, est-ce qu'on tenterait pas de rembourser l'emprunt tout de suite et au moins on est tranquille. Après, il nous resterait que 20 000, quoi, c'est ça l'ennui. Alimenter tout le zoo en énergie renouvelable. Une note de préservation de 4 étoiles. Ok, bon. Les objectifs ne sont pas compliqués sur le papier, mais à mon avis, ce qui va être tricky, c'est au niveau de l'emprunt. Voilà, on va déjà sauvegarder. Bon, on va explorer un petit peu tout ça. Alors ici, je vois qu'on a un lac. Ok, donc peut-être que pour des animaux aquatiques, pourquoi pas. On a des petits terrains par-ci, par-là. Donc les petits terrains pourraient faire des enclos. Est-ce qu'on peut. Alors, avant de faire tout ça, on peut utiliser de l'eau ici. Parce que dans certains scénarios, on ne pouvait pas. Celui d'avant, le pack océanique, on ne pouvait pas avoir d'eau sur le scénario, je me rappelle. Alors, ça donne quoi au niveau de la place? Bon, pour encore faire des trucs là, j'ai l'impression. Non. Ah non, on peut pas. Donc, on aura. Ok, ça va être assez limité. J'espère qu'on pourra faire des animaux, des enclos avec des animaux, plusieurs espèces à l'intérieur. Comme ça pourra nous aider à battre le défi, quoi. Et on peut pas.
Non, on peut pas, ok, l'utiliser. J'ai compris. Alors, j'ai déjà fait le tour des infrastructures du zoo. On a une salle de personnel. Où est-elle? Elle est là-bas. Pas une boutique de travail modulable, ok. Bon, l'uniforme, on s'en fiche, c'est pas la priorité. On n'a pas de mécano, mais bon. Terme, il va nous falloir. Attends, on a les clôtures niveau 3 déjà. Alors déjà, la priorité c'est un soigneur. Bon, ça c'est pas compliqué. Je dirais un mécano. Et alors on a quoi en animaux ici? Ah bah on a des cygnes, tiens justement. Ça fait partie du DLC, les cygnes tuberculés, pardon. Ils peuvent se mettre avec des bisons, des cérélaphes, des daims, des sangliers. Ok, donc ils peuvent se mettre avec pas mal d'animaux. Entre 2 et 50, ils réclament. Ils sont communément en Europe, ils sont un peu aussi en Asie de ce qu'on voyait au. Je crois que c'est du côté de l'Afghanistan ici, si je dis pas de bêtises. Je confonds peut-être l'Afghanistan, c'est un peu plus au nord, mais là je ne saurais pas quel pays c'est. Tous les pays qui bordent vers l'Inde. Alors déjà. On a aussi des bisons, ok. Les flamants roses, il nous en faudra une armée à chaque fois, comme d'habitude. Il nous en faut au moins 10. Bon, c'est chiant les flamants roses, quand il y en a une dizaine. On a des gloutons. Ouais. L'ours lipou, ça c'est nouveau. Les paons, c'est nouveau. Non, les paons, c'est pas nouveau. Les sangliers, c'est nouveau, ça c'est sûr. Les Saïgas, je crois que c'est des nouveautés aussi. Alors, les Saïgas, je regarde vite fait. Ok. Bon, on va réfléchir. Déjà, alors, on a recruté un soigneur et un mécano. Un veto, ce sera pas de refus. Alors mon mécano, je vais tout de suite le mettre à la recherche des. Comment ça s'appelle? De l'électricité. Bon, on a déjà l'éolienne, mais on va essayer de débloquer rapidement le panneau solaire. Comme ça, on aura les deux et on sera peinard. Parlant d'électricité, où est-ce qu'on a de l'électricité à pouvoir justement? Ok, c'est quoi ça là-dedans? Cabinet vétérinaire, centre d'échange. Donc il y a un transformeur ici. Un transformateur, n'importe quoi. Il y en a un deuxième là. Le troisième, je l'ai cru le voir par ici. Non, je me trompe. Il y en a un tout au nord là-bas, un autre ici. Ok. Bon, déjà, on va essayer de réfléchir aux premières espèces qu'on va affecter. J'ai déjà affecté les. Enfin, prendre deux cygnes pour démarrer. Alors, ce sanglier-là, il sera parfait. Elle est pas mal. Je vais prendre ces deux sangliers là. Ça me fera déjà deux espèces. Alors qu'est-ce qu'on. Oh, on peut avoir même d'autres animaux là. D'accord. Bon, les flamants à gogo, les bisons. Alors lui, il est pas mauvais ce mâle. Hein. Il est moyen partout. Ce qui me fait. Je vais prendre deux cygnes déjà pour démarrer. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Les deux là, ils me coûteraient un peu cher à mon humble avis. Maintenant, il faut savoir où est l'entrée du zoo. Je la vois bien dans cet hôtel de ville là. Parce qu'il ressemble à un hôtel de ville ou une mairie. Ok. Qu'est-ce qui nous manquerait? 3-4 agents d'entretien, je dirais.
Hop, voilà. En vrai, ici, ce lac-là, je le verrais bien pour une colonie de flamants roses. Hein. Il y a assez d'espace, je pense, pour les flamants. Hop. Alors, est-ce qu'on a un autre endroit avec un lac? J'ai pas l'impression. Alors, au niveau des vivariums, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, on a des scorpions femelles, là on a un scorpion mâle. Eh, c'est nouveau ça, les tortues d'Hermann, je crois. Je crois que ça appartient au DLC. Tu sais quoi, on va tenter ces deux-là. On va essayer de recruter une nouvelle un deuxième vivarium aussi, comme ça on aura de quoi générer un peu d'argent. Ouais, elle est pas mal cette grenouille, mais bon. C'est quoi, on va tenter un coup de poker avec les escargots tigres. Là, on a des bancs, on est pas mal, on a des poubelles. Est-ce qu'on pourrait placer deux vivariums en vrai? Laissez-moi deviner. Alors, vivarium. Il m'en faudrait deux. Je peux vraiment pas en affecter deux comme ça, c'est ça? Alors, bon. Après, tu vas me dire, on a les poubelles. Ouais, ce qui va être tricky, c'est l'espace. Ça, c'est une chose. Au pire, je peux déplacer rapidement la poubelle, hein, dans le pire des cas. Une ici. Bon. Celui-là, on s'en fiche. Celui-là, on s'en fiche. Comme ça évitera aux animaux d'être trop harcelés, entre guillemets. On peut déjà mettre une éolienne. Ok. On va déjà placer les nouvelles tortues d'Hermann ici. Hop, on va tout de suite voir pour... Alors, entre 25 et 35, bon, on va modifier à 30 degrés. Et on va monter à 55 comme ça. Moyenne ici. Voilà. Tortue d'Hermann, c'est parti. Ok, alors on va tout de suite programmer pour la gestion. Hop, gérer population, tac. Alors je veux juste savoir à quoi ressemblent nos fameuses tortues. Ouais, c'est petit mais c'est classe. Ouais, bon, on va les étoffer un petit peu, bien sûr, on va pas les laisser non plus dans des conditions comme ça. Bon, l'installation, on est à 40%. Bon, alors, fenêtre 1, c'est laquelle? Fenêtre 1, fermée. Fenêtre 2, ok. Fenêtre 3.
Et fenêtre 3, qu'est-ce qu'on pourrait affecter? Façade 3D? Alors, je sais pas si ça a une incidence. Eh bah attends. Hop, fenêtre 2. Pareil, ok. Bah écoute, on va orner les trucs, hein. Aucune. Voilà. Ça donnera un petit truc comme ça. Et il nous faut... comment ça s'appelle? Des bornes à deux dons. Où sont-elles? Elles sont dans la boîte à dons. Je vais en mettre une ici et là pour démarrer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah là, les escargots, on va tout de suite les envoyer. Escargot tigre. Bon, bah on est bon pour le climat. Voilà. Déjà, on a deux nos deux notre début de parc là, il est commencé. Et je vais commencer à faire des recherches sur la tortue d'Hermann, on va améliorer un peu ses conditions. Maintenant, au niveau des animaux. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a? On a un distributeur de billets. En vrai, on pourrait fermer les points là, hein. Ouais, on va supprimer les trois là, comme ça au moins on est sûr. Ça nous fera un petit peu d'argent. Je pense que la boutique de souvenirs devrait suffire à elle toute seule. Les toilettes. On va mettre juste à, allez, à 1$. Juste pour le pratique. Distributeur de billes, il est où lui? Il est là. Je vais vite le dupliquer. En vrai, je pense que le distributeur, je vais plutôt les laisser à l'entrée. Ça semblerait logique, tout ça. Bien. Bien, bien, bien. Comme ça. Ce distributeur-là, on le revend. Ok. Donc là, on est bon. Essayons de revoir un petit peu les animaux qu'on pourrait avoir. Lui il est pas mou. Oh, lui il aurait été un... ça aurait été un bel ajout, j'avoue. Les gloutons, bon c'est pas fameux, j'aimerais bien en présenter aussi. On peut présenter des Saïgars ici. Hein. Ah, ils peuvent être jusqu'à. Ah il faut qu'ils soient jusqu'à 4, ok. Un mâle et trois femelles. Est-ce que j'ai ça ou pas? Bon, on va essayer. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est lent pour naviguer.
Alors maintenant, il faut essayer de trouver où on peut affecter nos premiers pensionnaires. Là, je vais laisser obligatoirement pour une colonie de flamants roses. En vrai, ici, ça serait pas un mauvais bail pour démarrer, hein. Ouais, on va démarrer par ici. Je vais monter à... Allez, 1 mètre pour démarrer. On va rajouter une porte dans le coin. On va essayer de mettre un coin, un périmètre pour... Enfin, une section de verre. Hop, voilà. Une entrée, un dôme d'observation. Alors, comment on fait déjà pour placer un dôme? Faut que je me rappelle. Un petit dôme, vous avez dit. Ah, placer dôme, voilà. Voilà, parfait. Donc là, en vrai, je pourrais mettre les signes. Alors, je suppose que les plans, les pans, eux, ils peuvent toujours se mettre avec personne. Non, ok. Eh ben, on est parti, hein. Affectons alors les sangliers et les signes ensemble, hein. Voilà. Ok, bon, on va enregistrer. Nos deux premiers agneaux sont là, plus. Alors, en vrai, est-ce qu'on devrait pas désactiver les transformeurs qu'on. Les transformeurs. Les transformateurs, je vais y arriver ça. Une option pour le déconnecter. Bon, de toute façon, à terme, il faudra qu'on les remplace. C'est ça qu'il faut se dire. On va laisser un petit peu venir nos animaux. Enfin, nos visiteurs tout court. Nos animaux. Alors, de toute façon, il nous faudra faire des pans aussi à un moment. Ah, animal mal à découvrir, ça commence bien. Oh, bah une troisième femelle, c'est parfait. On pourra déjà préparer le deuxième enclos. Qu'est-ce qu'on a qui va pas? Qui est malade? Et à un moment, je pourrais mettre les pans où aussi. Bah là, ça pourrait être pas mal, hein. Alors, petite pause.
Alors, tous les animaux là-dedans. Il m'en manque un. On va les déplacer ici tous les quatre pour démarrer. Ah bah oui, si on met pas de boîte à dons, ça va pas le faire non plus. Hop, une deuxième ici. Bien. Et maintenant, on va aussi faire des comment ça s'appelle? Non, j'ai complètement oublié depuis que j'ai pu jouer au jeu. C'est pas des planitas, c'est pour l'éducation. Ah, voilà, des panneaux éducatifs. Je cherchais le nom depuis un moment. La journaliste arrive dans 35 mois. Ok. On va se grouiller. Et sanglier. Alors maintenant on va voir un petit peu ce qui va pas pour nos amis les cygnes. Bon, le terrain c'est ok. Alors par contre ça ne leur va pas, ça non plus, et on a déjà tout. Et pour nos amis sangliers, qu'est-ce que ça dit? Ok, c'est nickel, ils manquent juste un petit peu de terre. Parfait. Alors, habitat. Alors, cygne. Tuberculé accompagné de sanglier. Peut-être qu'on devrait juste aplatir là. Parfait. Donc ça, l'antivirus qui me casse les couilles, merci. On a déjà une étoile, 1,40 étoiles, mais ça va commencer à être bon. Voilà, 68%. Les deux cygnes là. Vous êtes assez, oui. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est juste creuser et mettre de l'eau.
Parfait. Là, on est pas mal. Ah, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Une conduite d'eau et un grand tableau, voilà. Paf. Excellent. Alors sur le sanglier, c'est pas mal ici. On va miser sur du cygne de ce côté. Voilà. Maintenant, recherche vétérinaire. Bon, la tortue, c'est en cours de traitement. Ok, il nous faut encore une autre espèce à trouver. Et ce sera bien. Oh, on pourrait faire des loups. On aura accès aux loups gris ici. Oh, les deux ours là, ils sont pas top, hein, malheureusement. En vrai, je pourrais tenter d'embarquer la gloutonne, hein, vas-y. Voir un petit peu ce que ça donne. La note éducative, il va peut-être falloir commencer à la travailler. J'en fais 5 de chaque côté. Voilà, 5 là. C'est pas espèce, hein, vas-y, c'est partage d'économie, ok, 8, 9. Voilà, on a déjà un début comme ça. Où sont les deux signes au fait? Ah, ils sont là. Mais ça vit longtemps, j'imaginais pas, tiens. Recherche vétérinaire terminée pour. Ok, bon, on va passer tout de suite, on va changer le projet. On va passer au sanglier. Comme ça, j'ai développé rapidement l'état de pierre ici.
Ah, notre petite tortue de Herman attend un petit. Ça, c'est bien. Ok, on est pas mal là. Alors, les flamants roses, ils valaient combien? Et en vrai, là, les flamants roses ici près de la fontaine, c'est tout trouvé, hein. Il y a une séparation ou pas? Là, j'ai pas fait attention. Eh, mais ouais, on pourrait faire l'enclos des flamants roses et un autre truc là à côté, ça pourrait être une deuxième zone, hein. Après là on pourrait faire peut-être un petit enclos là rapidement, peut-être, mais je sais pas pourquoi, peut-être des flamants roses. Ah, la tortue d'Hermann a eu des petits. Oh. Écoute, hein, moi je prends tout argent pour. Ça va nous aider à un peu maintenir le... à rembourser l'emprunt, on va dire. Je sens que notre emprunt, il est à combien? Il nous reste 55 000 remboursés quand même. Hein. Alors, on va essayer de trouver d'autres espèces. Hein. Je sais que ça, il y a des cycles, ça revienne. Allez. Il me donne vraiment pas envie, hein, ces deux-là. Voilà, les sangliers qui vont nager. Je pense que je vais aussi rajouter un agent de sécurité, c'est jamais trop pour démarrer un zoo. Alors personnel, est-ce que je devrais pas. Je vais améliorer les deux là, mon soigneur et mes trois là. Mes canaux, c'est eux qui vont être les piliers du zoo là. Alors ça c'est bien. Oh, un cerf et la fan. Il peut se mettre avec quoi? Oh, bah justement. Un cerf et la fan, moi je dis pas non. Hein. Il nous manquerait une femelle et on est bon. On aurait trois animaux sur quatre. En vrai, je pense qu'il faut qu'on joue sur les enclos inter-espèces avec plusieurs espèces en même temps parce que là, on va pas avoir le choix sinon. Recherche veto terminée. Ok, le sanglier, c'est bon. On va faire le cygne. Après, on retournera sur le sanglier. Alors, on va optimiser un petit peu. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'habitat? Voilà, hop, première optimisation de fait, tranquillou. Notre cygne attend un petit. Oh, les loups, là, ça donne envie, hein. Hop, une louve. Essayer de recruter, d'acheter. Alors, on a une louve. Donc, il nous faut un loup. Tant pis, on fera avec.
On n'a pas d'autres animaux du vivarium qui se pointent. Ah, on va peut-être avoir un petit sanglier. Ah, génial, des petits cygnes. Eh, attends, en parlant de cygnes, je vais peut-être rendre un petit hommage à des collègues. Surtout un collègue qui s'appelle Cygne Noir. Et sa compagne que j'ai déjà entendue. Pardon pour l'orthographe, hein. Peut-être que j'ai inversé. Hop. Bienvenue à vous. Hop, une ribambelle de cygnes, hein. Moi, je les ai bien modélisés, les agneaux. J'espère qu'avec l'arrivée des cygnes, ça va être le début d'un potentiel pour tout ce qui est perroquet et tout. Parce que bon, c'est le temps qu'on l'attend. Allez. Oh, ils sont vite adultes, hein. On pourra se faire des points de conservation. Là, on a déjà les loups, il nous faudra encore un cerf à la femelle. Hey, il est pas mauvais ce bison. Hein. Il est pas mauvais du tout, je vais l'embarquer. Il est moyen, mais il fera l'affaire. Et en vrai, je suis même prêt à le rajouter dans cet enclos-là avec les cygnes et les sangliers, ça pourrait faire de la place. Hein, et rajouter les cerfs et l'af. Ouais, y a moyen de faire des trucs ici. Bon, on a déjà commencé l'objectif ici. Faire naître trois espèces d'animaux différentes. Et il nous faut un rapport d'inspection de 1,80. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça donne dans le zoo, les services. Ça rapporte de l'argent ou pas? Ah ouais, si mes services ils sont pas ouverts, je fais comment moi pour gagner des sous? J'ai l'air faim moi. Oh bon. Allez, on embarque aussi. Ok, signe, c'est fait. On va retourner rapidement sur le sanglier. Alors, on va l'envoyer au niveau de la zone de quarantaine déjà pour démarrer. Ah, si on sort les bisons, là on est bien quoi. Recherche mécanique terminée. Parfait. L'électricité, c'est fini. Est-ce qu'on ne développerait pas les clôtures? On va améliorer un peu les clôtures, on ne sait jamais, c'est toujours utile. Alors, au niveau de l'habitat, qu'est-ce qu'on a? Un bassin pour castor, alors les cygnes, pourquoi pas? Ah, un de mes animaux est malade. Et une petite piscine. Alors, est-ce que les cygnes mangent là-dedans? On va leur mettre une grande écuelle aussi, il n'y a pas de souci. Et là, on va envoyer les deux bisons. Et attends une seconde. C'est bien deux, hein. Ouais, c'est deux. J'avais peur que c'était trois. J'avais un doute pour les bisons. Bon, tous. Alors là, avec les bisons en supplément, on va se mettre bien. Ah, nous avons. Bah, je me visite.
Salut les gens. Alors. Ah, nos sangliers attendent des petits, c'est bon signe. Il reste combien à rembourser? 25 000. Hein. Ah, Tortue d'Hermann, on a des nouveaux petits. Bon, ça me fait chier de les vendre, mais ça peut sauver l'économie de mon zoo, je dis pas non. Ok, on va retourner du coup sur notre ami, bah, le cygne. S'approche tranquillement de la note de 2 étoiles. Alors nos animaux, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors ça dit quoi pour des bisons? Ils sont satisfaits. Là, ils aiment pas juste le truc de Sibérie. Bon, on va le retirer. Parfait. Et mais justement. Comme ils n'aiment pas. Je regarde juste un instant pour le cerf. Non, on a toujours rien pour l'instant. Le sanglier vont avoir des petits déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Là-bas, si je dis pas de bêtises, on avait mis quoi? Hop, parfait. L'étoile, on va y arriver petit à petit. Je pense que je rajoute encore une espèce et c'est gagné. Hein. Donc là, le sanglier, il se fait plaisir. Attends, les abris, ça dit quoi en fait? Bon, pour moi, il me dit qu'il y en a assez, soit. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. C'était habitat, couchage. Voilà. Bon, bah, sur les 3 naissances, là, sur les 3 espèces, on en a déjà 2. Il nous en manquera encore une et on aura déjà l'objectif argent là accompli. Hop. Je dis ça et on en a 2. Alors pour le sanglier, ça dit quoi? Ah, ça y est, ça. Ah bah justement, ça marche bien avec les bisons, ce combo-là. Ça me permet d'éviter d'avoir encore cherché des trucs, quoi. Donc on a un petit marcassin ici, alors. Parce que voilà, le petit sanglier, c'est normalement c'est le marcassin, hein, si je dis pas de bêtises. Au niveau de la population adulte, ça se passe comment? Ça a l'air pas mal. Ouais, non, on est bien, on est bien. Notre premier enclos, là, il fait plaisir. Alors ces trucs-là, là, il faut qu'ils soient combien déjà? 2. Et sa vie dans les montagnes. Il faut pas un gros enclos, ceci dit. Bon, tu sais quoi? Allez, vous êtes adopté. Félicitations. Je pense qu'on va se faire un petit coin pour les paons tout de suite pour être tranquille. C'est à combien là la surface? Voilà. C'est quoi?
Là-dedans, je vais mettre les pans, hein. Je vais pas me poser 36 000 questions. C'est des relous, certes, mais ils peuvent rapporter gros. Alors, c'est combien l'enclos? 976 mètres carrés. Allez, dis-moi qu'il y a un signe, un cerf, il a fait qui va se pointer là. Pour nous faire du point. 976 mètres carrés. Après les loups, je sais plus à combien on peut en mettre. Alors, les loups. Salut DDRZ, bienvenue à toi. Bienvenue sur ce nouveau scénario qui se démarre plutôt tranquille. Salut Kirlycox et bienvenue à tous. Ah ça va, on démarre le scénario tranquille. On sait qu'on a un emprunt sur le dos. Bon, il est en train de se résorber. Les nouveaux animaux ont l'air pas mal de ce que je vois. J'ai testé un tout petit peu. Alors je regarde juste pour un animal, j'avais un doute pour la taille. Ouais, non, il me faudra une plus grande surface pour les loups. Donc alors je vous mets en pause vite fait. Donc là en gros j'ai 3 espèces sur 4. J'ai aussi un. C'est le mode carrière. Hein. C'est le DLC du pack Eurasie qui est sorti. Bon, le zoo il commence, donc vous avez déjà une ville qui est établie, donc cette petite cité. Donc là j'ai commencé mon premier enclos. Et j'ai trouvé un truc sympa à faire. Donc c'est un 3 en 1. Dans le sens où j'ai réussi à foutre 3 espèces. J'ai mis donc premier animal du DLC Eurasie, le cygne. Vous connaissez tous les cygnes. Hein. Je vous apprends rien, le volatile. Oh. Tout ça, donc ouais. J'espère que c'est lui qui va introduire au fur et à mesure l'arrivée des espèces de perroquets, toucans et je ne sais quoi. Cette première oiseau entre guillemets qu'on voit. Donc j'espère qu'ils vont faire ça. Le sanglier, c'est une autre espèce de ce DLC. Donc avec les petits sangliers, bon même si ça, j'aurais dit ça marcassin, mais ça c'est une question d'appréciation. Et là c'est du classique, du solide, de l'américain, du bison, enfin non c'est même pas américain, c'est du bison d'or. Je vais prendre la porte rapido. Donc, voilà, ensuite là j'ai commencé au début aussi avec un vivarium avec 2 espèces. Donc il y a une espèce dans le ici, donc c'est la tortue d'Hermann. Pour ceux que ça intéresse. Hop, la tortue d'Hermann, c'est ça. Donc c'est l'espèce du vivarium qui est arrivée dans ce DLC aussi. C'est une tortue. Hein. S'il y en a qui ont des tortues, hein, ça... ben, je vous souhaite bien du plaisir. Même si normalement ça fera pas trop d'entretien. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des. Oui, merde. J'ai oublié de faire ici la gestion de pop. Ouais, non, là, là-dessus, il y a des bonnes choses. Alors, c'est dans le centre d'échange. Priorité moins élevée. Voilà. Comme ça, je vais essayer de les relâcher. Je vais me refaire de l'argent aussi avec cet emprunt qui est très chronovore au niveau du pognon. Hein. Donc là, j'ai quasiment tout remboursé. Hein. C'est un des objectifs à faire sur le long terme dans Nord. Donc ça, ce sera déjà une bonne chose. Là, ce qu'il me faudrait idéalement. Ah, bah voilà, en parlant de ça. Un cerf et la fan en or, parfait. Comme ça, il me semble que lui, ce cerf a été rajouté avec une mise à jour gratuite. Je crois pas qu'il est arrivé avec le DLC. Je crois qu'il était là avant. Alors, déjà, je vais mettre en pause. Et justement. Justement. Là, je vais faire un petit combo sympathique. Parce que le bison. Il s'entend bien avec le sanglier et le cygne. Je rajouterai un cerf élaphe. Les daims européens, j'en ai pas vu encore dans l'échange d'animaux, donc peut-être qu'ils vont apparaître. Et là, ça va me faire mon enclos avec 4 espèces. Et sachant que le zoo est assez petit en taille, hein, ça pourrait être un bon plan de les foutre ici. En plus, ils se plaignent pas de l'espace, de ce que je vois. Donc là, je pense qu'on est tout bénef. Je revérifie juste cerf élaphe. En plus or et argent. Là, ça va. S'il y a des petits, ça va donner quoi.
Et là, j'ai déjà un petit peu préparé le terrain argent, l'objectif argent, parce que on me demande de faire naître trois espèces d'habitats, enfin d'animaux différents. J'ai déjà fait naître des sangliers et des cygnes. Donc là, c'est pas mal. Après, il faut que j'attende le rapport de l'inspectrice aussi, là, à 3 étoiles. Et après, il faudra que je monte à 7 espèces. Sachant qu'avec les paons, je vais monter à 5 aussi, là, vu que je fais un enclos pour les paons. Même si, eux, c'est des casse-couilles, hein, au niveau de la gestion. Ok, signe. Ok. Je vais réaffecter notre chercheur. Alors, le prix bon marché, bon, on va le monter à 6 dollars. Voilà. Voilà, hop, 4 espèces dans le zoo, c'est fait. Alors, ça dit quoi les Sérélaf? Là, je vais avoir une armée de cygnes, ça va être fou, quoi. Ah ouais, non, ils sont pas encore arrivés, j'ai rien. Parce qu'en fait, ils sont en transit. Alors, avant de faire une connerie, mes trois paons là-bas. Je vais tout de suite mettre les paons dans le coin, comme ça je serai peinard. Ah, bison. Les bisons d'Europe vont peut-être avoir des petits bouts de chou ici. Alors pourquoi lui ça va pas, Sociane? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le stress, tu crois? L'animal est stressé. Tiens, tiens. Là, je vais essayer d'avoir du vert santin rapidement pour mettre bien mes animaux. Il nous manquerait quoi alors pour avoir 1,90 la note toujours? Il manquerait juste un glouton supplémentaire à un mâle et là j'aurai tout ce que je veux quasiment. Allez, tout le monde là-dedans. Enfin, les deux là surtout et les paons, ils iront dans l'autre enclos que j'ai mis à côté. Ce qui fait qu'on aura déjà 5 animaux sur les 10 avec les. Ah, parfait. Alors pourquoi ça ne va pas avec mes bisons? Oh, c'est peut-être parce qu'il y a trop de. Il y a trop de vues alors. Bisons, pour le moment, on va essayer de. Pour leur bien. Pas de verre ici. Parfait. J'espère que ça va calmer un petit peu le jeu. Ah, manifestant arisé aux eaux, pourquoi? Animal stressé. Pourtant, il n'y a que deux points de vue, hein, je rappelle. Évidemment, il vient de manifester, logique. Je prépare un enclos pour eux aussi. Donc là, il ne manquerait plus qu'un glouton supplémentaire et là on serait bien quoi. On aurait quasiment les trois quarts des espèces qu'on veut. Attends, c'est un mâle qu'on a? Non, c'est une femelle et ce mâle, il dit quoi? Bon, bah vas-y, un bon coup. On aura un glouton, un couple de gloutons prime, c'est bien. Attends, comment il s'est retrouvé là, lui? Bon, ok, il a réussi finalement. Alors, Zoopédie, c'est ça que je voulais voir à la fin de ta machin chouette. Bon, il s'appelle ta. C'est le taquin.
En vrai, si on foutait le taquin là-bas, ça serait pas un mauvais bail. Hein. 976 mètres carrés, tu me diras. Le taquin, ouais. Il porte bien son nom, hein, cet animal. Donc là, j'aurais déjà 7 espèces sur les 10, c'est pas mal. Alors, mon emprunt, ça dit quoi? Vous savez quoi? On va être tranquille, on va le rembourser tout de suite. Et je vais enregistrer, comme ça, je sais déjà que ce sera fait. Et s'il y a un crash, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, au moins, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qui manquerait? Le marketing, ça va faire trop compliqué là. L'animal est stressé, bah je veux bien, mais bon. En attendant, on va clôturer, on va remettre du. Si, ça. Ok, le bison c'est fait. Ah, une maladie. C'est embêtant. Alors, on va sortir les pans, on va les affecter derrière. Je vais les tant pis, hein, je vais les. Alors, je pourrais les affecter là, effectivement. Il y a encore des terrains. Hein. Bon, alors, on va les mettre là-bas. On sera tranquille comme ça. Et puis s'ils sont chiants. Eh ben, on sait où on les envoie. Hop. Alors, ça dit quoi? Ils veulent moins d'herbes courtes. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, au niveau de l'habitat, les pans. Aka copuleur sur 20, pour ceux qui ont qui connaîtraient pas. Ah, ça peut rapporter beaucoup de crédits de conservation si on fait pas n'importe quoi. Parfait, ils n'ont pas besoin d'eau si je dis pas de bêtises. Non. Au niveau des optimisations, on peut rajouter ceci, on peut rajouter cela et ça. Au niveau de l'écu, on va remettre une grande écuelle. Une grande conduite d'eau. Sinon, les arbres, ça donne quoi ici? Oh, il y en a trop là. Oh, encore? Vraiment? Voilà. Ça y est, on a des pans ravis. Justement, vu qu'ils sont ravis. On va mettre ça. Un petit haut-parleur pédagogique. Alors, haut-parleur pédago.
Et là, vu qu'on a du pont bleu à Donf, voilà. Mais comment ça se fait qu'il est encore stressé, cet animal? T'es en train de me dire que c'est à cause de cette grande section-là, vraiment? Plus y a rien, c'est ça le pire. Après service visiteur, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je sais. Donc, à manger. À boire. Voilà, on va faire au mieux. Je pense que j'essaie d'engager un second vet tout de suite, on va en avoir besoin. Voilà. Ok, je pense qu'on a l'objectif de notre 3 étoiles. 5 et 4, on a 4 ennemis, ça c'est bon. Mais en fait, il faut qu'on arrive à avoir la clôture améliorée, quoi. Service éducatif, c'est normal, les finances du zoo sont bonnes. Recherche mécanique, ça c'est bien. Alors, il nous faut encore combien de recherches pour avoir le... Il nous en faut encore deux. Une fois qu'on aura ça, je pense que ça va commencer à stonker un peu. Oh, joli ça. Par contre, on va les relâcher toutes les trois, je pense, hein. Voilà. Histoire de commencer à faire monter la note de notre zoo. J'ai vu des animaux adultes. Animaux adultes, tout ça. Non, j'ai rêvé. Là, on commence à se faire de l'argent. Ah, ça y est, ce premier sang les sangliers sont adultes. Là, on va les relâcher aussi. On va se faire des points de conservation. C'est pas grand-chose, mais ça se prend. Ah. Ça y est, il va commencer à s'accoubler le pont. Il va essayer de faire des petits. Ah bah, ça c'est fait. Sachant qu'on nous demande une note de préservation 4 étoiles. Bon, ça va venir. Hein. Ah bah, j'ai débloqué la salmonellose à fond alors que c'était pas la priorité, mais soit. On va améliorer le pont tout de suite pour être tranquille. Bah. Allez, on a des petits ponts. Youhou! Bon, par contre, il est où là le baiser compulsif là. Tut. Oups. Hop. On lui met des contraceptifs. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il refera pas 50 000 pans à gogo. Même si ça peut être une bonne chose pour le zoo, bien sûr. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme animaux. Donc là, on en a déjà 5. Il nous en faudra encore 3 espèces. Trois espèces, Saiga, ça ne me dit rien, cet animal-là. Il demande pas un gros espace. Alors, la Saiga. Oh, elle est parfaite, on embarque. Allez, on y est presque, hein. Ils sont tous stressés, ça c'est à cause du... Il faut embaucher deux autres agents d'entretien.
Il y a des poubelles, les mecs, hein, je vous rappelle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ok, bon, on va monter le prix du billet à 8 $, il n'y a pas de souci, si c'est ça qui vous en... si c'est ça qui vous amuse. Et là, ça peut faire mal parce que... Comment ça, nourriture indisponible? Oh là là. Ils sont tous malades, au secours. Bon, ça tombe bien, on a terminé. Vite la rebasculer sur la fièvre, machin chouette. Ok, quatrième clôture, ça c'est fait. Allez, manifestant repéré et paf dans la gueule. 500 $ d'amende. Vas-y, je t'en supplie, dépêche-toi d'avoir le versantin. Comme ça, là, on sera bon. Ils vont bientôt être à l'âge adulte, j'espère, eux. Ah bah nous sanglier là, ils y vont. Hein. Ah ça y est, les signes vont pas tarder à être adultes. On a 3 étoiles, ça fait chier à cause des manifestants. Allez, reprends-toi ça 500 dans la gueule, c'était gratuit. Alors, signe adulte, on va faire pause. Voilà. Pourquoi je peux pas le relâcher? Comment ça, pas d'électricité pour le service? Ok, ça c'est réglé. On va retourner. Bah non, on va continuer sur la CSQ là. Vétérinaire, s'il vous plaît, urgence. Ah là là, c'est la merde. Mais bon, on va y arriver. Mécano. Alors, service. J'ai quand même un deuxième soigneur, je vais tout de suite l'embaucher. Et j'arrive toujours pas à dépasser les 2 étoiles, hein. C'est un truc de fou. Alors ça y a mal, bon il est pas top, mais on fera avec. Alors lui cet ours, il va avoir son intérêt, l'ours lipou. Non mais c'est bon toutes les épidémies de maladies là-haut. Ne venez surtout pas. Hein. Oh là là, panne d'électricité, j'enchaîne tout là. Il faut qu'on ait le vert coûte que coûte là, sinon ça va être compliqué. Allez, on relâche tout ça pour 39 points.
Bon là, on va y arriver à un moment. Putain, tu sais quoi, je vais tenter un move. Alors je sais que c'est pas bien. Hein. On va fermer le zoo. Juste le temps 2. S'il se barre, logiquement, satisfaction va remonter. Heureusement que je vous ai demandé de soigner les animaux, hein. Vétérinaire en urgence. Écoute, on va faire une pause sur les recherches. Ah. Ouais, on y était il y a 10 secondes, on y était, il y a quelques secondes, on y était, hein. Allez, putain, soignez-vous. Ah bah voilà. Putain, qu'est-ce qu'on en a chié pour le bronze, hein. Eh bien, vous n'avez pas perdu la main, sincèrement, quand je vois ce zoo, je suis presque jaloux qu'il appartienne seulement à Nancy quand on aura terminé. À ce propos, le zoo était censé être une surprise, mais Nancy a flairé l'affaire et a gentiment envoyé quelques suggestions pour l'améliorer. Mais pas d'inquiétude, je ne pense pas qu'elle nie que le zoo était pour elle. Donc, si jamais elle vous contacte, tâchez de ne pas vendre la mèche. Bref, elle aimerait qu'on mette encore plus l'accent sur le bien-être des animaux, ce qui n'a rien d'étonnant, et qu'on adopte d'autres espèces pour le parc. Elle pense aussi que le zoo doit commencer un programme de reproduction et que sa réputation pourrait augmenter de quelques points. Étant donné le travail abattu par Nancy toutes ces années, je crois qu'on lui doit bien ça. Rien n'est trop beau pour elle. Bon. Allez, prends-toi une amende pour un animal malade dans la gueule. C'est cadeau. Oh là là, je vais me prendre une amende par animal, c'est ça, faut le dire tout de suite, hein. Ok, top, on va faire une pause ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà fait net les trois espèces d'animaux. Ça, c'est bien. On a six espèces sur les 7. Le rapport d'inspection, on peut l'avoir rapidement. Bon, on va tout de suite préparer le verre. Déjà, on va essayer de relâcher les animaux qui le. Leurs uris, tu peux te relâcher ou pas? Vas-y, mon coup. Les sangliers. Hop, banco. Bon, le problème commence à se résoudre, mais c'est pas encore fait, hein. Voilà, du verre santin. Parfait. Maintenant, on va reprendre là-bas aussi. Voilà. Là, logiquement, il devrait être moins stressé. Logiquement.
Oh, ça a l'air de remonter tranquille. Je vais le dupliquer. Et je vais mettre du... On n'avait pas mis le cerf encore, je crois. Ouais. On va mettre le cerf tout de suite. Parfait, comme ça là, on va bientôt voir les 4 étoiles de préservation pour l'objectif or, on est pas mal. Ok. Bon, les emprunts, c'est bon, la note de 4, ce sera bon. Et là, j'ai tout de suite dupliqué ça ici. Mais juste pour le cerf et la feu. Voilà. Hop, là c'est bon. Bon, bien-être de l'animal, bah oui, il est pas dans son enclos, tu m'étonnes. Tu veux que je mette cet animal où là? Sans rire. Hein. Là, on pourrait le faire. Et on a des possibilités d'enclos ici, attention à ne pas oublier. Comment ça se fait qu'il attire autant de... Et c'est pas faute d'envoyer des soigneurs. Bon, je crois qu'on va augmenter un petit peu. Ah, Henri, il est trop vieux, c'est ça? Alors, est-ce qu'on a un sanglier dispo mâle? Juste attendre que l'autre sanglier parte comme ça derrière. Fuite. Je crois que j'ai commencé à améliorer les deux là parce qu'on va en avoir besoin. Putain, pourquoi vous êtes mal? Vous ne devriez pas être mal. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu sais quoi? Échange rapide. Comme ça, hop, on les refout tout de suite là-dedans. Alors les deux là, qu'est-ce qu'ils vont pas? Ils ont pas à manger, ok. Ça va être réglé, non? Oh merde, l'eau elle est sale. Il n'y a pas de serre, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de truc d'eau là, de traitement... Non, pas de température. Traitement de l'eau, je peux mettre ça où sans que ça embête trop de monde. Pas... Donc ça couvrira les deux, je pense. Ouais, super. Super, super. Donc maintenant, il faut que j'affecte les taquines. Où je vais lui placer des taquines. Donc là, on avait dit qu'on réservait pour les...
pour les Flamands. Ok, là je pourrais pas la réaménager. Mais là oui. Et là oui, je peux la réaménager. Bien. Il y a combien d'espace là-dedans? Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette une porte. Et là, je suis à combien si je le mets là? Je suis à 696. Je suis à 696, sachant que là j'ai les deux taquins là. À deux, il faudrait combien? 450. Mais on est bien là, on est large même. Hein? J'arrive pas à choper un autre ours, ça c'est dommage. Ok, bon, ici qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a un terrain de foot là. Alors les deux taquins là. Comment ça, aucune allée vers la destination? Quand même, faut pas déconner non plus. Ok. Ah bah génial, je vais avoir des ponts qui vont être adultes. Bien. Alors est-ce qu'il y a assez d'espace? Oui. Ils ont assez d'espace. Alors petite pause, on va mettre plus de... Hop. Là. Parfait. Les ponts sont adultes. Oula, ça va faire du point ça. Ah. Du coup, attends, l'appeler comment? Je vais l'appeler Dodo. Ceux qui ont la ref. Bien, du coup, je vais y retourner, mon grand. Voilà. J'ai bon, il n'en reste plus que 3. Alors, le taquin, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Alors, ça. Habitat pan bleu, on retire. Le taquin.
Sinon, en optimisation, qu'est-ce qu'on a de sympathique? On a ça déjà. Le grand nom, on va pas abuser non plus. On a quasiment la moitié des objectifs hein, quand on regarde. Par contre, je suppose que les arbres, on peut s'asseoir dessus pour l'instant, ouais. Hop, parfait. Là, on est pas mal. On a un petit enclos avec en plus à côté les un terrain de foot. Là, on pourrait faire des signes à gogo. Donc là, c'est ce qui fait qu'on a 6 animaux. 7, 8, 7, 8. On sera à 10 espèces là. Il faudrait choper un autre ours. Un autre ours lipou. Une femelle de préférence. Pour le moment, on n'arrive pas à en avoir. On a réussi à endiguer. Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Alors, niveau de l'électricité, qu'est-ce qui va pas? Tu sais quoi, on va y retourner, on va essayer d'améliorer un peu les conditions des taquins. Au niveau des recherches mécaniques, on va rien faire. Alors, on va regarder un petit peu où sont nos transformateurs. Je sais qu'il y en a un ici. En Vladin. Là-bas, il y en a un deuxième. Oh, ça me coûtait cher en électricité tout ça. En vrai, ces deux là-bas pour le moment ils me sont inutiles. Je vais les revendre. Hein. Oh, je m'embête. Non mais sérieusement. Au moment j'ai aucune utilité. Hein? La 2. Alors peut-être la différence un peu. Ah, et là, qu'est-ce qui va pas? Ah bah oui, on a retiré. Alors c'était quoi? C'était le sanglier de base. Ouais, et pourtant, c'est pas faute de foutre des poubelles partout. Hein. Mais bon, ce qui est bon signe, c'est que ça commence à revenir dans le positif. Alors, ici, il faudrait peut-être remplacer celui-ci. Eh, attends, il faut que je calme dodo là, parce que s'il continue de s'accoupler, lui, il va me faire des gosses à tire-larigot. Ah, super le cerf là. Ça va faire du bien. Bon, pour moi, on n'a plus d'autres animaux. Alors, ils sont encore vivants. Oui.
Alors là, par contre, on va commencer à remplacer ici. Alors, service électrique, une éolienne. Parfait. Ce sera le premier panneau solaire ici, comme ça. Ah, ok. On a eu la note 3,5 étoiles. J'ai sauvegardé. Je vais mettre zone. Argent, je vais mettre comme ça, on est sûr. On a déjà fait la moitié de l'argent. Alors, on a des ours lipous, mais c'est des mâles. Ah, c'est embêtant ça. Allez, je vais rajouter deux agents d'entretien. On en aura 8 comme ça. Ah, bloqué par un abri. Bizarrement, ça posait pas de problème tout à l'heure. Écoute, on va l'affecter comme ça. Notre bison, là, il va avoir un petit. Bon, là, on s'approche tranquillement des 3 étoiles. Bon, on fait quoi comme prochaine espèce là? Alors, les gloutons qu'on rigole. Il demande pas beaucoup d'espace, mais je pense qu'on peut le mettre avec personne, non? Ok, des gloutons, 600, 700 mètres carrés. Où est-ce qu'on pourrait affecter ça? En vrai, là, c'est les loups. Hein. Je vais mettre les loups ici, je vais pas me poser 36 questions déjà. Ok. Ça a même tout fait. Bon, bah, ça fait celui-là, soit. J'arrive pas à monter plus, t'es sérieux? Oh, quand même. Là-bas, on a combien? Ok. On a 2080 mètres carrés. Hein. En vrai, là, c'est parfait pour eux. En attendant, on va les envoyer dans la zone de quarantaine. Ici, on était à combien pour les 4? On aurait pu mettre les loups là, en fin de compte. Hein. J'aurais pu mettre les loups ici, effectivement. Oh, 7 espèces dans le zoo, bah ça, c'est en bonne voie. Hein. Continue de monter la note de préparation. On est à 3 étoiles, on approche des 4 tranquillement. Petite pause. On va commencer à remplacer les transformateurs petit à petit. Ici, on en a un. Donc là, on en a un ici. J'espère que ça suffira. Attends 2 secondes, laisse-moi me le remplacer, s'il te plaît. Attends. Ils l'ont pas pris en compte?
Comment ça, pas d'électricité? Ok. Bon, le taquet, on va le développer au niveau 3, jusqu'au niveau 3. Un petit panneau solaire là-dedans. Voilà. Et logiquement, là, ça commence à être pas mal. Et là, il nous en manquerait encore un que je pourrais affecter où? Là, ça va être compliqué. Oh, attends, peut-être que c'est pas si compliqué que ça en vrai. Il y en a plusieurs qui n'ont pas d'électricité. Ok. Et lui tourne pas. Bloqué par un abri, vraiment. Alors, il faut qu'on trouve un endroit où il sera pas bloqué. Attends, je... Là, il sera pas bloqué. Voilà. Parfait. Ah, nos escargotiques reviennent de décéder, malheureusement. Bah, fallait que ça arrive. Alors... Oh bah attends, tu sais quoi, on peut pas se poser 36 questions. Non, attends. 67, 50, 83. 67, 83. Allez, on se rajoute 12 points supplémentaires. Alors, l'animal a faim. Soigneur, soigneur, s'il vous plaît. Comment ça, de bien-être? Qu'est-ce qui va pas encore? Embaucher un troisième, hein, pas de soucis, c'est ça que vous devez pouvoir comprendre. Voilà. Ah, là, le loup gris dans le zoo, là, ça va commencer peut-être à faire la diff. Sachant que je vais les mettre là. Hein. Il nous restera encore des autres terrains là pour plus tard. Mais c'est en bonne voie quoi. Alors au niveau des recherches vétérinaires, le tapin, on approche au niveau 2. Ah, je suis encore de retour. Voilà. Déplaçons-les.
Comment ça, aucune allée vers la destination? Ah bah oui, si le bon y gêne aussi. On va éviter de les placer là, hein. Ça va faire des bordels. Ok, bon. Une source... Oh, sérieusement, vous êtes casse-couilles avec ça. On y arrive. Voilà, je pense que là, niveau électricité, ça a commencé à être intéressant. Il nous restera encore quoi à remplacer? Là, c'est fait. Donc, il reste ce transformateur là-bas à aller chercher. Celui-là également, qu'il faudra que je remplace à terme. What? Comment ça? Attends, qu'est-ce qu'il me fait là le jeu? Eh oh mon... Ok ça. Là le jeu il m'énerve. Il me dit il y a 10 secondes, ouais, c'est possible. Bah là non. Alors, on va rectifier ça. Hein. La recherche vitaux, où ça? Bon, on va continuer d'enchaîner le taquin. Ok. Là, j'ai. Ça me saoule. J'arrive pas à trouver. Un... Alors, les alertes, qu'est-ce qui va pas? On va regarder. Délit. Il n'y en a pas. Visiteur. Bon, tu sais quoi, on va investir un petit peu dans nos services. Ici, on va avoir une zone avec des loups. Alors, je pense qu'on va rajouter quoi? Un, les cosmiques. Un chief beef. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des toilettes dans le tas? Voilà, le souci, c'est qu'on condamnerait une allée entre guillemets. Mais. Attends, c'est la verte qu'il faut que je baisse. Ouais. On descend encore. Putain, avec les allées, je peux rien rajouter. Hein, c'est relou, quoi. Tu sais quoi, on va tenter comme ça. Alors vous deux, est-ce que vous pouvez aller retourner dans cet enclos? Merci. Caméra, fais ça. Mais what? C'est sérieux ça? Ils peuvent rentrer dans l'habitat, je suis désolé. Faut arrêter les conneries. Quand même, faut pas non plus sortir de Saint-Cyr. Ah bah voilà quand même. Alors on va tout de suite regarder pour les plantes, ce qu'ils sont. Ils n'aiment pas ces arbres-là. Bon, ça règle déjà une partie du problème. Nos loups gris sont arrivés. Bien.
d'optimisation alimentaire logique puisqu'on n'a rien pour le moment. Mais on va faire une grande mangeoire. Excellent. Voilà, parfait. Alors, sinon, au niveau du terrain, ça dit quoi? Ils veulent moins d'herbe courte. Ils veulent plus de roches. Là. Maintenant, il y a trop de roches. Ok, on bouge plus pour la terre. Good, good, good. Là, les loups, ça va faire monter le cachet du zoo. La note là, on monte à bientôt 2 étoiles et demie. Ça va continuer. Donc là, on est à 7 espèces. Oh, les ours, là. Oh, vas-y, allez, on l'embarque. On a notre ours lipou. Par contre, il va falloir trouver un gros terrain. Qui est ici. Je pense que là, ce sera une bonne zone pour eux. En vrai, j'aurais pu inverser loup là. Hein. Alors, l'électricité, on va vérifier ce qu'il nous reste à remplacer. Là, on a un transformateur. Là, il y en a un deuxième. Éolien. Tu sais quoi, on va tout de suite remplacer ce transformateur. Là, on sera tranquille comme ça. Ah, je t'avais pas vu. Il faut rentrer dans le bâtiment, quoi, littéralement. Voilà. Ok. Il est où, lui? Il est niveau 3 bientôt. Bon, on va attendre. Je vais débloquer le loup en priorité, là. Au niveau des services, des locaux du personnel, je vais partir sur une grande. Ah ouais, là, il voit pas mes loups, effectivement, ça va être compliqué ça. Bon, ça on s'en fiche. Voilà. Service. Haut-parleur pédago. On continue de relâcher des tortues. Alors, service, il nous faut pas locaux du personnel, mais visiteurs, money, money. Ok, loup gris, c'est bon. Les loups gris, ça peut nous faire grimper. Oh shit. Mécano, vite. Bon, bon, t'as 10 dollars, il n'y a pas de problème. Il suffit de le demander. Alors, attends. Oh, oui, oui. Là, il va y avoir de la... du relâchement d'animaux. Voilà. C'est pas mal du tout comme ça. Ok. Alors,
RESP Habitat, on va tout de suite l'améliorer. Qu'est-ce qu'on a? Attends, quoi? Y a rien, t'es sérieux? Oh shit. Ah, on va avoir des petits loups, ça c'est bien. Allez, il nous reste plus grand chose. Il nous reste là. Ok, celui-là. Pouf. Et normalement, le reste, on doit être bon. Ah ouais, c'est vrai qu'ici il y a ce lac là avec la. J'aimerais bien faire la colonie des flamands. Je devais développer pousser le jeu plus loin. Alors je vais vérifier quand même que j'ai rien oublié. Alors, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Alors, j'ai combien de flamants roses ici? Bah, tu sais quoi, on va pas se poser 36 questions. 1, 2, 4, 5. Et lui, on l'embarque, ça fera 6. Allez, vas-y, 7. Bien. Bon, la note du zoo continue de grimper, c'est que c'est bon signe alors. Ah oui, c'est vrai, il nous faut une nouvelle salle du personnel. C'est ça que je voulais bâtir, service. Perso. Nel. En vrai, ici, ça serait pas un mauvais bail. Hein. Comment ça, échec de la modification du terrain? T'es sérieux là? Oh putain, ne me dites pas que. Rien modifié. Ah si, j'avais peur. Voilà. Comme ça, là, je vais faire une petite zone personnelle pour gérer ce secteur. Ça, par contre, c'est pas prévu ça. J'ai pas demandé de supprimer. Hein. Voilà. Et je vais rajouter aussi une cabane, une grande cabane de soigneurs parce qu'on va en avoir besoin. Parfait. Chez arbre, cet arbre. Bien, 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 bien. Voilà, la zone, elle devient intéressante là. Ça, pas d'électricité. Ah, il n'y a pas d'électricité pour ici, c'est embêtant, effectivement.
Les dis-moi que ça passe là, non. C'est ici, il faudrait que j'arrive à l'affecter. Et attends. Wait une seconde. Ah bah parfait. Ok, loup 2 niveau, loup gris niveau 2, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, comme ça on continue. En plus, nos petits loups, ils sont nés, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Oh, attends. J'ai une armée d'animaux, j'ai un groupe d'animaux adultes là. Alors, Terride. Ouais, il est trop vieux, c'est ça. Banco. Les sangliers, il y a un gros turnover, hein. Ça fallait s'y attendre. Oh, un pan albinos. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Oh, joli ça. 31 points, vraiment. Bon, petit à petit, la note allemande, c'est bien. Continue, on lâche pas. La note de préservation, on est quasiment à 4 étoiles, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, l'éducation, ça pue toujours un peu, mais bon, ça viendra. Il faut que je rachète aussi deux flamants roses femelles pour ce que je veux faire. Oh, les tigres là. Oh, voilà, elle est pas mal. Mais bon, c'est pas le but d'avoir un tigre ici. Ah oui, lui, il faut qu'il se repose. Oui, c'est vrai, lui, il peut plus. Ok, niveau 3 pour les loups, on est bien. À tout là quasiment pour eux. Ok. Alors, est-ce qu'on préparerait pas un nouvel enclos là? Bah, pour les ours là, ça serait pas mal. Ok, alors on va monter à 2m30, 2m45, ça sera pas mal. On va rajouter une porte tout de suite. En vrai, là, il y a de quoi faire. Hein. Combien? Ouais, bah là, les ours, s'ils ont pas de place avec ça, je sais pas quoi faire. Alors, ours, lipou, ours, il pue. Ouais, ils sont larges, ils seront larges ici. Ils sont même très bien, je pense. Allez, on y va. On va tout de suite aller. Allez. En zone de quarantaine. Alors ils sont niveau 3, on va calmer un petit peu ici.
Je vais monter un petit peu la recherche des serres parce qu'on l'a pas trop fait, j'avoue. Ah ouais, on a plus de sanglier, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'en rache, j'en retrouve. Alors. Elle est correcte. Il me faut un bon sanglier. Merde, j'ai loupé. Bah écoute, on va embarquer ces deux-là. Ouais, les deux, ils sont malades, ça, c'est pas de bonne. Ah, il y en a un, c'est bon. Allez, les ours lipous, c'est par là. Eh, on y est presque, hein, les gars. On y est presque. Après, il ne restera plus qu'à mettre des flamants, des saigas et des. Comment ça s'appelle? Et des gloutons, il en aura tout quasiment. En vrai, ici, on pourrait diviser l'enclos en plusieurs fois. Hein. Plusieurs parties. Ok, ils ont besoin de surface pour grimper. Alors. L'ours lipu. Bon, déjà on a des petits trucs grâce au loup. Déjà, il sera pas sans rien, c'est une base. Maintenant pour grimper, on va rigoler. Des structures d'escalade préfaites, hein. Et quoi? Essaye vite de monter sa zone d'escalade là. Et je pense qu'on peut faire ça. Alors que. Ok, le cerf et l'aff, c'est bon. On va améliorer ça avec l'ours maintenant. Recherche mécanique, structure d'escalade. On va le faire tout de suite. C'est quand même gros. Je vais mettre des grands trucs là. Il va nous falloir quoi de l'eau? Une grande mangeoire, de l'eau. Bon, par contre, il n'y a pas assez d'arbres hein, de ce que je vois. Je vais essayer d'en dupliquer le plus possible. Voilà, là on est bien. Ah, un de nos taquins est décédé de vieillesse. Là c'est la femelle, on va essayer d'en retrouver une. Aïe. Oh, il est en forme lui, hein. Hop, on calme.
contraceptif. Hop, putain. Un bisou qui va être d'une, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est en panne encore? Diana est adulte, ok. Ah bah. Parfait, on a le niveau d'argent. Bravo, vous avez fait le taux de retraite. Parfait. Je ne vois absolument rien à changer. Heureusement, Emma l'a visité hier et a remarqué tout ce que j'avais manqué. Ah. Oh oui, Emma a eu des idées géniales pour faire de ce parc un zoo hors du commun. C'est vrai que ce n'est pas parce que Nancy va y prendre sa retraite qu'il ne faut pas qu'il soit au top. Oh, et en parlant de Nancy, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore éloigner de cet endroit. Alors vous allez devoir passer à l'étage supérieur pour terminer les tâches d'Emma à temps. D'abord, il va falloir transformer tout le zoo en utilisant des sources d'énergie renouvelables, un geste sensé pour l'environnement. Ensuite, rembourser tous les emprunts au cours du zoo. Il ne faudrait pas embêter Nancy avec des problèmes financiers. De plus, Emma aimerait que la note de préservation du parc s'améliore. Nancy voudrait aussi, c'est certain. Enfin, vous en doutez certainement et pense que le zoo doit habiter d'autres animaux. Bon, je ne vous retiens pas parce que le temps presse. Ok. Bon, déjà. Hop, on atteint l'argent. Donc logiquement on a quelques objectifs. Un objectif. Or je pense qu'on a au moins le. Ah bah. On a quasi tout. Il manque juste deux espèces à rajouter. On a gagné. Bon, il nous reste les gloutons. En vrai, on pourrait subdiviser l'enclos là. Hein. Moi, je vais faire. Je crois que je vais faire ça. Je vais pas m'emmerder. L'anneau cerf et la fête adulte. Parfait ça. Bah du coup. Ok, il ne reste plus que les animaux à gérer, c'est gagné. Hein. Allez. Ah. Il nous faut vite une taïfa femelle, ça serait dommage. Ah bah, on en a une. Bon, c'est pas la meilleure du monde, mais elle fera l'affaire. Alors, les gloutons. Il donne quoi? Bon. Ok. Conduite d'eau. Plus. Grande mangeoire. Il y a quoi en optimisation? Bon, bah, le pour chien, il y a ça. Ok. Un canard, soit. En abri. Oh, un terrier. Bah, les gloutons dans des terriers, ça me choque pas. J'en ai, ça, j'approuve. Après, on va attendre juste. Oh, punaise. Là, je vais me faire du point. Voilà. Bon, le zoo, il tourne bien. Voilà. 89%, tu m'étonnes. Bon, on va monter à 12 dollars. Allez, même 13. Quarantaine terminée. Alors pourquoi ils sont pas bien? Ah, oh, je me suis trompé dans l'enclos.
J'ai voulu un peu rusher le scénario, on va pas le cacher. Alors, ça dit quoi? Ah là, là, elle va retrouver de la joie de vivre. Alors, nos gloutons, là, ça dit quoi? Bon, déjà, ils aiment pas ça. Ok, on a compris. En gros, vous aimez rien, traduction. Alors, au niveau de la nature, Europe, Asie, Amérique du Nord, toundra. Eh ben, il y a quand même des choses à faire. Si ça grimpe un glouton, j'ai un gros doute. Juste les arbres, il y a quoi d'intéressant? Il va me faire une armée d'arbres. Alors attends, le social, ils sont deux, ça devrait être suffisant, non? Allez, on continue. Alors, il nous manque quoi? L'ours lipou niveau 1, ok. Bon, allez, on va améliorer ça. On va essayer de faire le glouton aussi quand même, un minimum. Il est là. Ok. Service en panne, ramasse, allez hop, dans la gueule. Ok. Soigneur. Les canaux en route. Allez, 15 dollars. Alors, 88%, qu'est-ce qui manquerait? Alors, le taquin, bon, on va lui rajouter ça. Oh là là, t'as faim, vraiment. Bon, on est à 90%, c'est pas mal du tout. Lui, il faut que j'arrive à lui monter ses trucs alimentaires, là. Oh, attends. J'ai oublié de pousser, là. Voilà. Il ah, n'y a pas assez d'herbe. Ok. Et là, c'est mieux. Ah, le cimetière tuberculé est décédé. On va en reprendre un. Putain, 0% de fertilité, hein, vraiment. Je veux bien que ça fasse partie de la vie, mais quand même, quoi. Soigneur. Oh, c'est quoi tous ces sangliers, là? C'est pas que vous êtes nombreux, mais vous êtes nombreux, les gars. Oh, 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 oh. Attends, animaux. Bon, les cerfs, ça va.
Les bisons, ça va. Par contre, les sangliers, vous êtes un petit peu beaucoup là. Mécano, mécano. Ah, j'ai plusieurs animaux adultes là. Attends. Déjà. Hop. Hop. Parfait, comme ça là c'est bien. Alors faudra remonter vite fait le bonheur avec les animaux, je pense que ça devrait le faire. Comment ça bien être ferme? Un veto. Voilà, comme ça tout le monde est là. Service en panne, bien sûr. Bon, on tente quoi? Allez, on tente les deux Saiga et on verra. Comment ça se fait qu'ils sont pas bien? Je comprends pas. Ok, E2 c'est bouclé. Hop. Ah oui, c'est vrai, il faut que je crée l'enclos. Ah, je rajoute la porte surtout. Attends. Je vais les rajouter là-bas, comme ça on en est sûr. Ah, ça y est. J'ai deux sangliers adultes supplémentaires, oust. Voilà. En fait que ça passe, il me manque combien? 10%, ok. Voilà. Et là, ils sont tous malades encore. Sûr. Bonheur. Ok, maintenant il faut s'occuper de l'autre côté là-bas. Avec les deux là. Ok, bon, ils ont beaucoup d'espace, mais on va réduire ça. Bien. Alors, le saga. Bon, oui, il baisse la note parce que c'est normal, ils viennent juste d'arriver.
Ok, niveau des plantes, on est bien. Alors, on va retirer la taïga, on va retirer juste prairies, déserts, Amérique du Nord et Europe. Ça nous réduira déjà le champ des possibilités. Un baobab déjà, pas donc. Sinon, au niveau de la bouffe, ça donne quoi? Une auge moyenne. Voilà. Attends, quoi? Comment ça, il s'est échappé? T'es sérieux, là? C'est qu'on va monter à quelques mètres en plus, hein. Attends, s'il saute comme ça, les gus, bah... Il nous reste quoi à faire? On est à 85, ils n'ont plus grand chose. Qu'est-ce qui va pas avec eux encore? Arrivé. Le taquin. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas? Voilà. J'espère que ça va suffire. Et ben voilà. Allez, taquin en or. Bon, dommage pour les flamants roses, on aurait pu faire un petit truc de flamants roses. Incroyable, vous avez terminé pile à temps. Pendant un instant, j'ai cru que vous alliez échouer, mais vous avez réussi brillamment. Je reviens tout de suite d'une balade dans le parc avec Nancy. Elle n'en revenait pas que tout ça soit pour elle. Enfin, c'est ce qu'elle a dit, mais je pense qu'elle avait compris dès qu'on est arrivé au zoo. Cacher un secret à Nancy, c'est aussi difficile que de garder pour moi que de faire une croix sur les petits gâteaux. Je ne vous remercierai jamais assez. Franchement, je n'aurais jamais aussi bien réussi si Nancy n'avait pas fait partie de l'équipe. C'est formidable de pouvoir la remercier de cette façon. Bien, ça suffit pour l'instant. Mais vous ne vous étonnez pas si Emma vous fait signe quand je prendrai ma retraite. On va rester dans le zoo. Et en plus, on a tout le marché. En fait, le scénario, il est tricky en un sens où, dès le début, il y a l'emprunt. Bon, il y a un peu de pression. Donc, en fait, je pense qu'il faut se concentrer rapidement sur une petite zone. Alors, moi, ce que je ferais, comment je le vois perso? Au début, à l'entrée, je pense qu'il y a le moyen de faire quelques petits enclos sympas. Des petits enclos sympas, donc après, peut-être qu'on pourrait mettre le grand enclos multi avec les quatre espèces, on peut l'affecter ailleurs, hein, peut-être ici ou là. Si vous trouvez des loups d'entrée de jeu ici, je pense que ça colle. Là, vous pouvez faire un enclos avec des animaux aquatiques, donc les cygnes, pourquoi pas, mais l'enclos multi-espèces, ça aurait été compliqué pour moi. En vrai, là, qu'avec des flamants roses ici, je dirais, avec la fontaine, j'aurais dit pourquoi pas. Après, là, j'ai divisé la zone. J'aurais pu rajouter encore une autre espèce là. Peut-être les tigres à la limite. Est-ce que j'aurais pu avoir des tigres encore? Ah, la Dax, je crois que ça fait partie du DLC, mais j'ai pas eu le temps de le présenter. Bah, tant pis. Ah oui, mais non. Non. La Dax, on ne l'avait pas. C'était, ça fait pas partie du DLC comme j'ai eu tous les animaux d'un coup. Mais il y avait de quoi faire. Un enclos multi 3-4 espèces, vous mettez bien dès le début. Comme ça, vous faites tranquillement vos objectifs. Après, le souci, c'est que sur à long terme, c'est que si vous ne faites pas gaffe, la population, si, on perd un peu le fil au niveau des animaux. Mais bon, après, là, vous êtes bien. Vous faites tranquillement des enclos individuels. Et puis, tout se passe bien, quoi. Tiens, on va regarder un petit peu les ours lipous, là. Putain, ils sont bien poilus, hein. C'était un bébé, ça? Non, c'est un adulte. Là, on a nos gloutons, ils ont fait ils ont. Oh, bah, ils ont leur pelouse, non? Ouais, ils ont eu deux petits gloutons, c'est bien. Et là, on a récemment eu les saigas.
C'est une sorte d'élamide, je crois, ou d'élamidé, je sais plus comment on dit. Ouais, là, il y avait encore de la... Je pense qu'on aurait pu foutre des tiques du Bengale là si on les avait eues encore. Et là, si vous avez assez de flamant rose et que vous voulez vraiment vous casser le cul, zone de flamant rose. C'est pour ça que je vous conseillerais. Bon, là, les pans, c'est tout à fait adapté. Hein, ici, des pans en entrée, même si c'est casse-couillagé au niveau de la reproduction. Stériliser, mettez des contraceptifs au mâle et c'est gagné, quoi. Bon, bah, très content de ce scénario. Hein. Au moins, j'ai réussi quelque chose pendant ces vacances. J'espère terminer Stronghold aussi au plus tard, mais bon. Ça, c'est pas la priorité. Demain, je m'attaquerai à un autre jeu, c'est Edge of 4. Je suis en train de reprendre ma petite revanche sur la campagne des sultans. Bon, je la ferai en facile, tant pis. Hein. Ouais, non, très content du scénario. J'ai remarqué sur les derniers DLC, ils accentuent la chose sur l'écologie, l'énergie renouvelable et tout ça. Et ça, je trouve que ça coule. Enfin, bon, bah, moi, je vais m'arrêter là. Bon, ça, c'est la mise à jour gratuite, ouais. Merci à tous d'être passés, merci au raider de Krylox83. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit et on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao ciao!